Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite à la vidéo que j'ai fait auparavant, on fait la recette des petits pains, des petits pains grillés, voilà. Pour les nouveaux abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker et de partager si infinité. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. On va commencer tout de suite la recette. C'est parti. Ça, c'est le résultat de ma recette. On aura besoin de 530 g de farine, 350 ml d'eau tiède, un sachet de levure sèche, 7 g, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel et une cuillère à café d'huile d'olive. Donc le sel, il faudra le mettre en dernier. Bien sûr, l'huile d'olive juste après que la pâte, juste là à ce moment-là. Donc on va démarrer à vitesse 2. Pour éviter que la farine parte dans tous les sens. Et puis après, on augmente. J'ai rajouté le sel entre-temps, c'est passé vite. Et puis, on va travailler la pâte plusieurs minutes, 5 minutes, si c'est possible. Voilà. Une fois que c'est fait, moi, je n'ai pas sorti je l'ai laissé dans le bol. J'ai laissé dans le bol doublé de volume. On va fariner le plan de travail et puis on va déballer la pâte sur le plan de travail. Il faut mettre un petit peu de farine. Bon, ça colle un petit peu, mais je veux dire, quand la pâte elle est comme ça veut dire que les pains seront meilleurs, ils seront tendres. Ils le resteront. Là je vais la travailler vite fait, la replier sur elle-même quelques minutes, 2 minutes si c'est possible. Si vous voyez que ça colle vraiment, après ça peut changer au niveau de la farine, hein. De toute façon, peut-être que vous n'aurez pas le même problème que moi, mais bon, c'est pas un problème, je veux dire, mais c'est bien quoi. On peut rattraper les choses avec la farine. Je l'ai laissé reposer 10 minutes. Maintenant, j'ai fait un boudin, on va dire un gros boudin, une grosse langue, on va dire. Et puis j'ai coupé des petits bouts. Faut pas les faire trop épais parce qu'ils vont encore doubler de volume quand ils vont cuire. Essayez de les faire un petit peu fines. De toute façon, ils vont doubler de volume. Voilà. Ça c'est le résultat de mes petits pains. Franchement, c'est sympa hein, pour les casse-croûtes ou Inch'Allah pour Ramadan. Allah yatrou l'ayna bissiha wa salama, Inch'Allah. Voilà, moi j'avais fait deux farces. J'avais fait pour midi. J'ai fait deux farces, la viande et le poulet. Sachant que c'est le poulet qui se mange le plus, la viande pas trop. Mais bon, j'ai fait les deux. Comme ça, il y a du rabbin. Donc après, vous les farcissez comme vous voulez. On peut mettre des salades, des carottes, ou je sais pas, on peut mettre du thon. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination et à ses goûts. Voilà. C'était ma recette des pains grillés, vite fait, bien fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwazim Ladi. Partagez, likez. À très bientôt.